Salut à tous, c'est Seven Sec Cabal et on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la saga, enfin saga, de la machin, ouais, de l'histoire, voilà, de l'histoire d'Assassin's Creed. J'allais dire 7, mais non, Assassin's Creed 4, bien évidemment. Black Flag. Et donc nous revoilà au port de pêche après notre petite excursion. Notre petite excursion, on va dire, voilà. J'ai pas d'autres mots. Et j'ai du mal à trouver les mots, là. Bon, allez. Hop, je me sens chaud, là. Tac, tac, tac. Tu vois que... Bon, regarde. Voilà, on va faire ce que j'avais prévu de faire dès le début. Wouhou! Et donc nous voilà tout en haut, pas tout en haut. Hop hop hop, allez allez allez, tourne dans l'autre sens. Voilà, j'ai envie de monter tout en haut ici. Juste à côté de l'étendard. Hop. Et donc nous voici tout en haut de notre bateau qui s'appelle le Jago. Et vous avez remarqué d'un seul coup, hop, en 2 secondes de temps, un gros orage vient de s'abattre sur la ville, sur le bateau, et c'est vraiment magnifique. Les éclairs et tout, j'ai envie d'en voir. Oh là là, magnifique, magnifique. J'en perds les mots. C'est vraiment magnifique les graphiques. Et le pire, c'est que je sens que dans quelques années, enfin, dans quelques, ouais, on va dire quelques années, quand ils vont sortir la prochaine console, on sera là. Ouais, en fait, les graphismes de l'ancienne console, ils sont moches. Tellement c'est. Ça évolue, c'est un truc de malade. Sinon, l'ambiance sonore, magnifique. Franchement, là, si j'avais un avis de testeur. Je dirais que malgré qu'il y ait quelques petits bugs par-ci par-là, bon, en même temps, vu la map, faut s'attendre à ce qu'il y ait des bugs. C'est pas comme si c'était un niveau d'Hitman où c'est vraiment des petits niveaux par rapport à un open world comme là. Et si je serais vraiment un testeur, ce que je suis, notamment en qualité de joueur, je trouve que le jeu est vraiment beau. Vraiment tout est beau, regardez, petite lumière et tout, les vagues, etc. Je sens que là on va se taper des tours dans le truc. La pluie, moi, la pluie, c'est le premier truc qui m'a fait kiffer dans le jeu. Ça, j'adore les rochers et tout, vraiment l'ambiance sonore, tout y est, quoi. Vraiment, ils ont loupé aucune chose. Mais bon, après, il y a des petits bugs, comme je le dis. Quand tu veux monter, parfois ça ne monte pas bien ou il monte pas. Les phases de course sont encore assez galères quand même. Mais si on leur pardonne ça, le reste c'est que du bonheur. Regardez-moi ces vagues et tout. Le bateau qui transperce les vagues, on se croirait dans Ushuaïa, quoi. Alors là c'est tout rouge, je ne sais pas ce qu'il y a. Regardez vite fait la map, les amis. Ah. Bon ben, on saura pas plus ce qu'il y a. Et on doit aller à Kanekanai. C'est une petite ville. À mon avis, la zone rouge. Enfin, c'est pas à mon avis. C'est... Si on croise des bateaux, ils vont nous faire chier. Bon voilà, c'est mon petit coup de cœur, disons. C'est J'ai dit que dès que j'aurai la console, le premier jeu que j'allais acheter, c'était celui-ci, et ça s'est pas raté. Dès que j'ai acheté la console, j'ai acheté le jeu. On va aller directement à mission, j'ai déjà assez perdu de temps comme ça, avec mes états d'âme. Bien que la vidéo. Andreas Island.
Alors, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que bon, là, les villes, je les ai pas à 100%. Mais que entre plusieurs épisodes, ce que je vais faire, de toute façon, c'est les remplir à tous à 100%. Ah voilà, en fait, ici, c'est un peu une île. Une chelou. Donc, on va aller voir James Kill. Qui me semble être une femme. Je ne suis pas sûr encore, mais. Voix d'une femme, le corps d'une femme. On verra bien à la suite. Hey, regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. Encore qu'un gamin, mais. Déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles. D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu ne cacherais pas des choses, toi? Sans grand succès. Tous les jours, des schooners débordant de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, tu peux t'y mener. Je dis pas non. Cette plantation appartient bien à Beckford? Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent est quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. Bon, bah avant tout, déjà, ce qu'on va faire, c'est faire le point d'observation. Et dans ce, ça sera un truc que j'aurais pas à faire moi tout seul. Et ça va nous aider, je pense. Donc, direct. Voilà. Et voilà. Je me dis... Je vois que vous ne manquez pas de discernement. Tac. Regardez-moi ça. L'aigle, toujours là. C'est pour ça que c'est le seul aigle. Du 1 jusqu'à celui-ci, on a toujours vu des aigles. J'aime bien quand une, on va dire une tradition se perpétue. Une tradition, c'est un grand mot. Mais... Oh, oh le fou. Donc le voilà. Alors le sur. Donc là je vais prendre les coffres et tout, parce que c'est vrai que je suis sur mon compte là qui est bien avancé, donc Alors en fait c'est pas une île ici, enfin c'est une île mais habitée, enfin c'est trop. J'ai des missions. Non, toujours pas. Ken et canaille. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient rajouté des musiciens comme. Ça me rappelle dans Assassin's Creed 2. T'as un casse-cou et tout. Allez, tourne la tête. Bonfort, allez, avec moi. Nous en avons fini ici. Hi, sir. Où va-t-on? Nous retournons à la plantation pour faire l'inventaire de nos stocks. La récolte a été bonne cette année. Ne parlez pas si fort, monsieur. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un port civilisé. Ne sois pas ridicule, mon ami. Je viens croiser un étranger avec qui j'ai eu une conversation de plus agréable. Si vous le dites, monsieur. Prenez la voile, les garçons. On rentre chez nous. Oups. C'est pas moi, j'ai rien fait. Oh yo. Le gros traître. Ouais, on va plutôt dire à lâche. Allez, direction le Jack Doe.
Non mais c'est bon, laissez tomber, vous me rappelez pas. Ah, qu'est-ce qui se passe si je vais jusqu'au bateau? Va-t-il avoir la décence de monter avec moi sur mon bateau? Et venir se faire accepter par... Merde, non. Merde. Non. Le capitaine Barnes. Oh lolo. Mon dieu. Tu m'as l'air d'avoir une idée derrière la tête. Une seconde, quoi. Déjà vu ce regard. Plus rien de caché, Adé. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford parler de la grandeur de sa plantation et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer. On les revendra à un prix qu'il n'osera jamais demander à ses clients. Ah, visionnaire. Ton idée me plaît. Un visionnaire. Allez, tu es un visionnaire. Ah bah bon, capitaine. Propriétaire. Il a l'air d'être encore en vie. Zone interdite. Les zones dans les zones en Inde sont pas interdites. Vous trouvez les premiers qui vous écoutent. Si vous voulez, vous changez de nom. On reste discret. Attendez, j'aime pas trop ce que je vois. Je les vois aussi. What? Vous prenez pas part au combat, j'ai dit. Le nombre de combats, toi? Le nombre de. Oh, et déferlez la grand voile! Toute la toile, il peut le supporter! Oh là. Déferlez jusqu'au dernier pouce! Mais il y a trop de bateaux là! À ma mort, capitaine! Les morceaux d'épaves! On dirait du butin! Gardez les huniers! Attention, je vais avoir la poisse. Je vais me faire repérer. Je le sens, mais en gros, comme. Envoyez toute la toile! En route! Diminuez les voiles! Baston, mais je regarde même pas le. Plus de toiles! Toutes les voiles! Et vite. Je crois que c'est un cutter! Cette foutue Royal Je Navy! Crois que c'est bon, Ils capitaine. Sont tout seuls, capitaine! Non! Il m'arrive tout sur la gueule! Sur nous. Un cutter! La Royal Navy! Un navire de guerre approche, capitaine! Je crois que c'est un cutter! Un cutter! La Royal Navy! Ils sont tout seuls, capitaine! Ferrez les bonnettes! Je vais me taper le. Là-bas! On glisse de vergue! Tirez! Bon bonnette! Je veux de la vitesse! Mais gros, ils sont sérieux. C'est impossible cette mission. Là, je vais longer. Trop galère, laisse tomber. J'espère qu'elle est pas très loin sa plantation parce que là ça commence à devenir très très haut. Bah on tire un peu tranquille là. En fait, on est comme dans GTA. Bon travail pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais? Les Beckford et leur empire du sucre. Aïe. Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les vous dire. Et t'as travaillé dans une plantation? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie? On y fait bouillir de l'eau? Ou autre chose? Les jus de canne. C'est pas facile de faire du sucre. C'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher. C'est comment de travailler jour et nuit dans une plantation? Eh bien, on coupe et on récolte les cannes. Puis on les fait passer entre deux rouleaux qui font sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus, on le fait bouillir dans une marmite en cuivre pour séparer l'eau du sucre. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau et ça te laisse une cicatrice affreuse. Bon Dieu. Toute la toile, plus vite que ça! On vous grosse tempête, capitaine! Ça y est. Réduisez la toile! Dernier les huniers! Sur bâbord! Un naufragé dans l'eau, capitaine! Oui, il me dit de tirer là-bas. Plus de toile! Toutes les voiles! C'est risqué de mouiller trop près. Les soldats qui surveillent la plantation vont nous voir. Alors plonge et nage à terre. On veillera sur le jack. Bon.
Ah oui. Un autre endroit où il faut que j'aille à 100%. Rejoignez la jambe. Oh, il y a un masque bizarre. Ici. À quoi rime ce désordre? Une petite fête, monsieur. Rien de plus. C'est l'anniversaire de Wilmington. Oh la vache. Ils vous ont profité pour vous saouler durant le service? Ne vous en faites pas, monsieur. Tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. Doubler, monsieur? Mais pourquoi? Et par des pirates. Vache. Ce navire semble trop grand pour de tels gredins. Ce n'était pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire! Mes excuses, monsieur, je vais ouvrir l'œil! Pour l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme, si t'es à peine capable de tenir debout? Mes excuses, monsieur. Je suis à ton service. Si je vois la moindre chose suspecte, vous entendrez sonner la cloche, je vous le promets. Parlez à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein? La clé est par tous les diables. Que quelqu'un m'apporte cette clé. Y a-t-il pas une seule âme sobre par ici? Allez chercher la clé de l'entrepôt. Hold him out. I think so. Get back here now. I'm not a goal. Give me a foosie and a dagger, and I'll do what's needed. Voler la clé. Bon, non, j'ai pas la clé. C'est du monde là. C'est sous pression là. Comment ça on peut? C'est tout.
Il y a par ici. Non, non, ta gueule. Putain, le bâtard. Tout. Oh, oh, oh. Oh la vache, c'était moi une là. Je dois avouer que j'ai bien flippé. J'en reviens pas le bâtard. Là, viens. Non. Tais-toi, hop, je te pète la machine. Hop, et on stay. C'est bon, j'ai les deux. J'ai les deux. Alors là, toi mec, t'as voulu activer la cloche. Je vais te péter. Oh là là, les amis, quelle pression, quelle pression. Bon, qu'est-ce que je fais? On est à la 22e minute. C'est un peu limite pour relancer une mission. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, on va évaluer à ça. Ah ben, tiens, je vais vous parler un peu. En même temps que je vais faire la 100%. Le temps de finir, vu que voilà. Je peux recommander. Bon, pas de soucis. Qu'est-ce que je puis vous dire? J'ai prévu de refaire les autres Assassin's Creed après celui-ci. Mais avant, j'en ai encore pour pas mal de temps. Donc j'ai prévu de séparer ma playlist, on va appeler ça la playlist d'Assassin's Creed. Donc ma playlist en trois parties. Une partie où je vais faire l'histoire, comme je suis en train de faire là. Bah, la suite quoi de ce que je fais là. Une autre partie où je vais faire les forts. Donc les forts c'est quoi? Les forts c'est tout ce qu'on a sur la grande map. C'est à dire ça. Je sais pas si c'est réellement des forts. Ou enfin on verra bien. Et une troisième partie où je vais faire les contrats d'assassins, etc. Donc on verra bien comment ça va s'organiser, si j'aurai le temps de tout faire. On verra ça à ça. Là on n'y est pas encore, pour le moment je fais l'histoire. Et je suis vraiment trop accro sur l'histoire. Je vais pas vous faire une autre partie sur les objets comme ça, les points de synchronisation et tout, parce que je crois que sinon j'ai pas fini, et puis je pense que ça va vous faire plus chier qu'autre chose. Et donc voilà grossièrement. Ensuite j'ai prévu de reprendre toutes les vidéos d'Hitman, de tout recommencer à zéro, parce que j'ai pas aimé comment j'ai organisé toutes mes affaires, etc. Donc je vais recommencer. Voilà, donc ça fait un champ en plus. C'est sérieux? Allez, viens là, je t'y flatte. Voilà. D'ailleurs. Stellmayer, coffre. Il me reste 3 coffres. Donc, on va les faire. Il me reste combien de temps? 5 minutes, ça va. Ça va, les amis. Ça va. Donc, vous voyez, on est sur une petite île qui s'appelle Jibara. Jibara, c'est pas. J'espère que c'est pas.
Non, c'est bon, c'est pas un coffre, un truc comme ça. Ça m'aurait un peu embêté. Mais c'est parce que j'avais vu Jibara tout à l'heure. Ouais, ça c'est. Ok. Donc le Titi, je ne sais pas comment elle s'appelle. Puis on va dire. Mon fils. You get back here. Come it. Merde, je crois que je me suis fait bien. C'est pas moi. Look, get him. Oh, t'es sérieux toi? Avec tes démarches de noble, tu veux faire que et toi? Voilà. Merde, voilà un autre du coup. Donc là il y a encore un autre cove et après je vais chercher le truc maillot. Et donc voilà, après donc j'ai prévu de reprendre les Hitman du coup, les Splinter Cell. Enfin voilà quoi, j'ai prévu de reprendre tout, bien tout remettre à zéro, bien tout refaire. Et voilà. C'est un coup ça. Je vais monter au-dessus, comment ça se passe? Oh, oui, d'accord. Donc ça, les amis, c'est un peu comme le... Je sais pas si vous avez fait les comment ça s'appelle Donc voilà, il faut le mettre. Donc environ comme les... Enfin, faut bien le mettre. Voilà. C'est comme les quêtes dans Assassin's Creed 3, où il fallait chercher le trésor... Le trésor de je sais plus comment il s'appelait. De Peter ou je sais plus qui. Enfin, c'était un trésor. Et donc il fallait réunir les arbres comme ça pour le trouver. Donc là il peut pas creuser du coup. Non je veux pas. Allez voilà il creuse comme ça. Donc je sais pas si ça va ouvrir des tombeaux ou quoi que ce soit. Ah non c'est juste pour avoir une pierre. Ok d'accord. Alors... ça pour les pierres. Donc voilà, voilà comment on termine une un lieu à 100%. Donc là normalement il devrait apparaître. Ben pas là du coup. Mais je pense que plus tard il apparaîtra comme quoi je l'ai vu quoi. Et donc voilà, il y a plein de coffres partout, ça risque d'être assez long. Et donc bon ben voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé pendant les dernières minutes. Mais voilà, je trouvais un peu bête de vous faire un épisode que de 22 minutes. Donc je vous ai parlé un peu de mes projets futurs, etc. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. La vidéo, je parle. J'espère que je ne vous ennuie pas trop, ou que je parle assez, ou que je parle pas trop, ou que voilà, ça vous plaise, que si ça a été... je vous invite à me laisser un petit j'aime. Si j'aime, ça fait toujours plaisir de vous abonner si vous souhaitez continuer à regarder mes vidéos. Enfin voilà quoi la routine. Et sinon, je vous dis à la prochaine, les amis. Et portez-vous bien.